On appelle chaussée la partie de la route dédiée à la circulation des véhicules. Les accotements bordant la chaussée sont interdits à la circulation. Les véhicules peuvent cependant s'y arrêter, voire y stationner, sauf si les accotements sont aménagés, par exemple en piste cyclable ou en trottoir. Les limites de la chaussée sont généralement matérialisées par des lignes blanches discontinues, appelées lignes de rive. Ces lignes sont constituées d'une succession de traits de 3 mètres, espacés entre eux de 3,50 m. La règle générale compte deux exceptions. Lorsqu'elles annoncent une intersection, les traits des lignes de rive mesurent 20 mètres et sont alors espacés de 6 mètres. Si la route est à sens unique, la ligne de rive gauche devient continue afin de confirmer le sens unique de circulation. Sur l'autoroute, les lignes de rive sont constituées de traits de 38 mètres, espacés de 14 mètres. Ces lignes ne matérialisent pas la frontière entre accotement et chaussée, mais définissent une voie réservée, la bande d'arrêt d'urgence. Cette voie spéciale est interdite à la circulation, sauf s'il s'agit de véhicules de secours ou d'entretien. En revanche, l'arrêt est autorisé en cas de panne ou d'accident.